Honorine, bonjour. Tout commence à déjà. Bonjour, bonjour. Donc, je sais que vous avez bien dormi, que cette nouvelle journée qui commence nous apporte du rafraîchissement. Bon, depuis quelques jours, je vois beaucoup le chiffre 555. Ils m'ont demandé de vous parler de ça aujourd'hui. Il est un bonjour. Aujourd'hui, ça représente une transition. Vous êtes dans une transition spirituelle. Vous êtes en train d'acquérir votre liberté. Vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et les anges sont en train de vous dire aujourd'hui d'accueillir les changements de votre vie. Donc, parfois, tu peux avoir des changements qui sont en train d'arriver, mais tu résistes. Tu te dis, ah, moi, je ne veux pas voyager, je ne veux pas aller vivre dans un autre pays, je ne veux pas embaucher une nouvelle, je ne sais pas trop. Donc, il y a une nuance parce que tu ne forces pas le changement, mais tu accueilles le changement. Ok? Le chiffre 555, bonjour, ça signifie aussi que tu es dans une phase préparatoire. Tu es dans une phase préparatoire. You're getting ready for something. Tu as peut-être demandé quelque chose, ça fait des mois, ça fait des années. Tu avais même oublié. Et là, tu es en train de,
Tu es dans une phase où la chose est en train de venir à toi. Parfois, il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être tu te sens fatigué ces derniers jours et depuis tu as envie de t'éloigner. De voir le chiffre 555, c'est un peu pour te dire, vas-y, pose un acte volontaire qui va te permettre de faire ce que tu as toujours voulu faire depuis mais que tu ne faisais pas. Dans les relations amoureuses aussi, le chiffre 555, ça signifie que tu as des changements positifs qui arrivent. Le bonheur. Et parfois aussi, quand tu vois le 555, les anges peuvent peut-être voir que tu n'es pas accompli là où tu es. Tu es bloqué dans une phase où tu n'avances pas. Et il te demande de sauter le pas. Shift. Marque le pas. Avance. Voilà. Right. Bonjour à vous. Donc, je mets la lumière entre vous et moi. Que la lumière de Christ vous illumine. Que la lumière de Christ illumine votre journée. Comment est-ce que vous faites face à la dépression ou la lourdeur qui se passe depuis 2 jours? Déjà, vous devez comprendre que lourdeur ne veut pas dire pauvreté. Tu peux avoir la lourdeur, mais ton argent entre toujours chaque jour. Me suivez? Arrêtez de vous dire, comme je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne vais pas vendre. Tu vas vendre. Donc maintenant, je vous demande comment est-ce que vous arrivez à faire face à la lourdeur, parce que hier, alors, c'était grave. Beaucoup d'attaques, beaucoup de lourdeur. Epiphane, bonjour. Il y a quelqu'un, tu as une douleur dans ta trompe droite. Tu es guéri à cet instant. Il y a quelqu'un qui a les palpitations depuis des jours. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a quelqu'un ici. Reçois ton permis de conduire, Laura. Il y a quelqu'un ici. Tu avais... Parfois, tu as des vides, ton esprit se vide. Tu oublies les choses. Là, ta mémoire est en train d'être restaurée. Elle dit en riant au mieux et en restant concentré. Ok. Rebecca, les blocages financiers, est-ce que tu payes ta dîme? Beaucoup ici, là, vous me suivez, vous ne payez pas votre dîme. La dîme est incontournable. On ne peut pas fuir la dîme. Je viens rappeler que tu peux te sentir mal. Ça ne veut pas dire que ta vie va mal. Ton corps peut être lourd. Parce que l'ennemi est en train de t'attaquer. Mais c'est ton mental que tu gardes pendant l'attaque.
Parce que très souvent, c'est vous qui sortez votre bouche là. Oh, je ne vais pas bien. Oh, vraiment, est-ce que je vais me vendre aujourd'hui? Oh, les clients sont partis. Ah, c'est vous-même. Je bénis ta dîme Kacharel, si tu la payes, bien sûr. La dîme, bonjour, la dîme se paye. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Même si tu ne travailles pas. Quelqu'un quelque part te donne l'argent, non? La dîme protège tes finances. Beaucoup d'hommes de Dieu même ne donnent pas la dîme. C'est pour ça que les ministères sont bloqués. Beaucoup d'hommes de Dieu prêchent, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent. Je vous délivre de tout esprit de paresse. Tout esprit qui vous fait vouloir quelque chose, mais vous ne faites pas. La dîme se paye là où tu es. Elle dit, on paye la dîme à qui? Là où tu es nourri spirituellement. Nourriture spirituelle et partir à l'église, c'est différent. Beaucoup d'entre vous partent dans les églises. Après, vous venez suivre mes vidéos. Et ce sont mes vidéos qui vous fortifient. Ça veut dire que c'est moi qui vous nourris spirituellement. Vous me suivez. Vous suivez, non? La dîme. Attends, béton. Attends, je te bloque, moi. Je ne suis pas moi ici là pour parler avec, pour discuter avec quelqu'un. Le lavage consiste à quoi? Ça coûte combien? Il faut demander, écris sur le numéro, les secrétaires vont te répondre. Vous serez surpris de voir les personnes. C'est pour ça que je ne peux pas associer ma foi à quelqu'un. Parce que on se met tous ici, on dit amen, amen, oui, amen. Il y en a qui partent, ils font. Il y en a qui partent, ils ne font pas. N'oubliez pas que ceux qui font et ceux qui ne font pas sont mélangés. Ils s'assoient sur les mêmes chaises. Donc je peux dire que c'est quasi impossible de savoir qui paye sa dîme, qui ne paye pas, qui prie, qui a le bon cœur. C'est presque impossible. Maintenant, c'est les fruits. Ce sont les fruits qui nous permettent de connaître. Jésus a dit, nous les reconnaîtrons, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous connaissez seulement dit que vous êtes bloqué. Beaucoup d'entre vous, même le lavage au sel, vous ne faites pas. Il n'y a que peut-être 20% de mes followers, si ce n'est 15 qui se lavent au sel. Tous les jours, vous êtes dans mes vidéos, vous me regardez comme cela. Comme ça. Comme ça. Vous ne vous lavez pas avec le sel. Parce que vous simplifiez. Ah, le lavage au sel là. Hier, il y a un de mes collaborateurs, il consulte aussi chez moi. Je suis en train d'ouvrir la clinique spirituelle. J'aurai les consultants dans la clinique. Donc, un de mes consultants. Chanta, il faut écrire. Quand je dis que est-ce que tu as reçu le RIA là? Chanta, allez écrire s'il vous plaît. Je n'aime même pas qu'on me tutoie. Ça.
Parce que vous me tutoyez, vous allez pouvoir me manquer de respect après. I don't like it. Donc, Chanta, s'il vous plaît, écrivez. L'une des secrétaires va vous répondre. OK? Pour recevoir rien, il faut le code. Les réseaux sociaux, c'est là, c'est chacun. Comment te vois, tu parles ici, là, on dit, oh, je n'aime pas. Je suis fatigué du manque de respect sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'entre vous, vous suivez. Donc, hier, je parlais avec mon collaborateur. Et il était avec lui, c'est un de ses fils. Ya, bonjour, je te suis. Je te lave avec le sel. Tout est direct, je suis un de tes fans. C'est hier qu'il a acheté le sel pour se laver avec. Vous pouvez connaître le savoir. Vous pouvez avoir le savoir. Vous ne faites pas et vous êtes bloqué. Vous êtes fort pour venir demander de l'aide ici. Aide-moi. Aide-moi. Retrousse tes manches. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, depuis 24 heures, je ne fais que donner les prières dans le groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de flèches qui sont en train d'arriver. Hier, j'ai donné des instructions. Aujourd'hui, j'ai donné des instructions. Beaucoup d'entre vous, je sais que vous n'avez pas fait. Une dame m'a contacté il y a quelques jours. Elle me dit qu'elle est... Elle est en réanimation. Merci Stanley. Et elle n'avait jamais acheté un service chez moi. Ça s'est passé comment jusqu'à tu arrives à ce niveau-là sans demander de l'aide? Vous simplifiez beaucoup l'affaire spirituelle, c'est combien? Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Si on doit encore vous forcer, allez souffrir, s'il vous plaît. Allez souffrir, souffrir. La spiritualité, c'est une place. Une place. Mais là-bas, tu laisses tes enfants. S'ils veulent, ils se lavent. S'ils veulent, ils ne se lavent pas. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, je vais faire un tirage de cartes collectif. Il y a des jours où je ne consulte pas. Donc, ceux qui ont pris la consultation, hier, je n'ai pas consulté. Et je te fais un couronnement hier. J'ai couronné une dame hier, c'est tout. Et il ne fait d'autre.
Je suis à Bess, j'ai formation avec toi tout à l'heure. On va dire à 9h du Cameroun. D'accord, tu as fait le don sur TikTok, comme tu as dit. Merci, Chanta. Jolie, comment prendre une consultation? Je crois que tu ne me suis pas encore beaucoup. Consultations ne sont pas pressées avec moi. Paye peut-être une lecture de cartes. Donc, on va faire les tirages de cartes. Ceux qui ont payé et que je n'ai pas tiré les cartes, vous pouvez écrire en inbox pour me rappeler. Je vais faire un tirage de cartes générales. Il y a quelqu'un ici là, tu voulais aller quelque part ou bien retourner dans une relation. On me dit de te dire de ne pas y retourner. N'y va pas. Je rappelle que mes cartes sont disponibles. Les cartes et lumière. Donc, n'y va pas. Tu as pris une décision très lourde. Tu as décidé de couper certaines personnes. Tu as décidé de te discipliner. Et depuis ce matin, tu avais un peu la paresse qui résonnait sur toi. Et tu avais l'impression que je voulais abandonner. L'abondance. L'argent. Vous savez, avant, vous croyez que c'est parce que vous vous sentez bien que l'argent vient. Dans les 24 prochaines heures, une semaine maximum, malgré les secousses que vous ressentez, vous allez voir que vos affaires vont beaucoup marcher. Et l'esprit me montre que vous abordez les problèmes d'une façon différente qu'avant. Avant, vous abordez les choses vraiment de façon découragée. Donc, il y a l'abondance. Une grande, forte somme d'argent est en train d'arriver. Recevez votre argent. Ceux qui ont fait les paiements et que je n'avais pas lu, je lis 3 cartes à 10 000 francs et 10 cartes à 20 000. Les lavages des enfants que vous avez envoyés hier ont été faits. Donc, je vois de l'abondance. Écrivez ici, je reçois mon argent. Je reçois mon argent. Vous voyez, la main, elle reçoit. Je reçois. Je mets les sources de revenus. Je mets les canaux appropriés. Je mets l'assiette pour recueillir l'argent qui tombe. Je reçois mon argent. Allez-y, je reçois mon argent. Je reçois mon argent. Quelqu'un qui voulait te donner l'argent va aller s'aligner pour t'envoyer l'argent. La personne va se déplacer pour venir te donner l'argent là où tu es. La personne va faire l'effort, aller prendre se mettre en quatre pour te donner l'argent. Je reçois mon argent. Je rappelle que vous pouvez faire le bain d'urine et vous rêvez mal aussi. Hein. Dans la saison où vous êtes, l'ennemi est en train d'attaquer vos rêves énormément. Vous me suivez? Je dis bien que vous pouvez faire le bain d'urine, mais vous avez de mauvais rêves. L'ennemi, quand il voit que vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avant,
Il va vous attaquer dans les rêves. Donc soyez vigilant. Dans la dimension où vous êtes maintenant, c'est une dimension où il faut croire ce que vous croyez. Il faut savoir ce que vous savez. Ok? J'éloigne tout mauvais œil de vous. J'éloigne tout mauvais œil, toute personne qui ne voulait pas votre bien. Comment il sait si tu as connu? Je vois que tu as encore un peu derrière, tu as encore un peu en arrière. Vous ne vous connaissez même pas. Tu nais, tu as les pouvoirs, les dons, tu ne connais pas tes pouvoirs. Tu ne sais pas que tes ennemis connaissent. Tu ne sais pas. Non, il est caché dans ta chambre. Tu as suivi, non? Il a cloné ton téléphone. Tu as pris du retard. Il y a beaucoup ici, là, vous aviez du retard dans vos choses. Donc Dieu est en train de restaurer. Peut-être tu devais être connu depuis que tu avais 20 ans. Et tu as 37 ans aujourd'hui, 42 ans. 43 ans. Voilà les trois chiffres que je reçois. Et tout le retard là, donc, ok, le Seigneur est en train d'ouvrir ton esprit, il te redonne de l'espoir. Tu savais que tu ne peux plus faire l'école. Bizarrement, une opportunité de fréquenter revient. Comme ça. Comme ça. Donc, tu as pris du retard, mais ce retard est en train d'être rattrapé. Il y en a ici, là, vous allez avoir la promotion. Écris ici, je reçois ma promotion. Je reçois ma promotion. Je reçois ma promotion. On va vous confier un poste de responsabilité. Il y a une femme ici, là. Donc, ton col de l'utérus est en train d'être guéri. On t'avait dit que tu avais des risques de cancer du col de l'utérus. Tu es en train d'être restauré à cet instant. Reçois ta guérison. Morane, tu as 37 ans. Hein? Donc, reçois ta haute responsabilité, ta promotion au travail. Maintenant, il y en a parmi vous, vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont arriver. Beaucoup d'idées. Et vous allez commencer à utiliser votre don créatif. Genre, vous allez commencer à utiliser vos idées pour vous faire de l'argent. Peut-être que tu fais conseiller vestimentaire, personal shopper. Donc tu vas créer toi-même ton business. Tu fais personal shopper par jour, on te donne 50 000. Chaque semaine, tu as 4 clients. 4 fois par semaine, tu fais les services aux gens. Donc tes idées, tes créations personnelles vont commencer à te donner de l'argent. Il y en a ici, là, où vous avez mis une malédiction de telle façon que c'est une malédiction familiale que je vois. Ça faisait que vous ramez beaucoup. Tu fais beaucoup d'efforts, petit agent. Beaucoup d'efforts, petit agent. Beaucoup d'efforts, petit agent. Donc les choses sont en train de shifter. Et je vous ai parlé de l'abondance tout à l'heure. Donc, tu es en train de quitter l'endroit où tu vas commencer à avoir des boulots où j'entends même les gens disent que ah, elle se prend pour qui? Donc on te paie tel argent pour que tu fasses seulement ça. Il y a le chakra de la gorge de quelqu'un qui est en train de s'ouvrir aussi, ta bouche pour que tu parles. Ta gorge est en train de s'ouvrir.
On te frustrait beaucoup avant. Tu ne parlais pas, même dans ta famille, tu ne parlais pas. Et aussi le don de vision de quelqu'un. Quelqu'un qui avait mal aux yeux, ton mal, Dieu est en train de te guérir. Quelqu'un qui avait le mal de nez depuis quelques jours. L'œil gauche qui faisait mal. L'autre personne qui avait le rhume des foins, je ne sais pas trop. Un rhume bizarre là. Tu es en train de te guérir. La confusion qu'on avait mise sur votre tête aussi est en train de partir. Il y a quelqu'un ici là, tu hésitais. Parfois tu crois que tu écoutes la voix de Dieu. Après quelqu'un vient te dire non, ce n'est pas ça. Je vois une personne ici là, que peut-être même le pays où tu voulais aller, tu as beaucoup d'hésitation. Donc tu es en train de recevoir la clarté. Et tu ne choisiras pas mauvais. Ce que tu choisiras sera le bon chemin. Merci beaucoup, Cupcake. Il y a quelqu'un ici, tu vas recevoir les stratégies pour être vu sur les réseaux sociaux, augmenter ton business. Tu vas recevoir les stratégies. Tu vas apprendre à utiliser ton téléphone. Tu vas apprendre à utiliser TikTok. Il y en a ici, vous allez commencer à mettre sur pied les projets qui vont porter. Peut-être les orphelinats. Maximum dans 6 mois, tu auras ouvert ton orphelinat. Écris, je reçois l'accomplissement de mes projets de vie. Le numéro, c'est le suivant. 237 6 93 50 22 66. J'ai un numéro Move en Côte d'Ivoire aussi. Je crois que au Togo, vous pouvez envoyer de l'argent dessus maintenant. J'ai restauré Move hier. Je cherche mon numéro Move. Prions que je trouve mon numéro Move. Côte d'Ivoire 07 79 02 52 05. Bon, mon numéro Move, c'est le suivant. 225 01 50 27 71 71. 0150 27 71 71. Il est aussi Wave. 07 79 02 52 05. Pas 62. Ça, c'est l'œil de Fatima.
Oui, 01 50 50 27 71 71. Diana, à tête bloquée, Diana. Voilà. Tu m'as vu en rêve. J'ai mis un signe sur ta tête. Et je t'ai remis beaucoup de fruits. Oh là là. Ça t'a eu, tu as eu une visite angélique, grâce. Ils ont juste utilisé ma forme. Numéro de la France, 01 50 27 71 71. Oui, ça c'est le move de la Côte d'Ivoire. Merci Orchidée Bleue. Donc, numéro de la France. Zéro six dix neuf soixante dix soixante zéro neuf. Bonjour, celle qui est nouvelle. Bonjour Nathalie. Bon, je continue à vous lire les cartes. France 06 19 70 60 09. Merci. Beaucoup ici, vous allez établir plusieurs sources de revenus. Vous allez établir plusieurs sources de revenus. Donc, je vois quelqu'un ici qui va mettre des business sur pied. Beaucoup de clients vont venir. Donc, ton argent va venir de beaucoup de personnes. Certains aussi parmi vous vous allez construire une entreprise où vous allez finir par travailler même avec vos enfants ou avec votre mari. Donc je vois une entreprise familiale. J'ai aussi plusieurs sources de revenus. Bonjour, celle qui est au Gabon. Notre local au Gabon est à Louis, en face de l'hôtel de Louis. Voilà encore la carte de l'indépendance financière. Vous allez vous organiser vous-même. Vous allez être maître de votre emploi de temps. On ne pourra plus contrôler. Personne ne va contrôler votre temps. On va lui dire, tu vas venir à telle heure, rentrer à telle heure, ce sera vous-même. Pierre de l'Allemagne, bonjour. Il y en a aussi, vous serez, votre visibilité sur les réseaux sociaux va augmenter. Une personne ici, tu es très éloquent. C'est très éloquent. Vous aussi, certaines personnes, vous allez faire les papiers. Vos démarches écrites vont marcher. Tu es en train de faire tes papiers. Ça va marcher le dossier. Je vois quelqu'un ici. Quand tu créais ton business, tu comptais sur d'autres personnes. Ces personnes t'ont déçu. À partir de ce matin ou bien de demain, tes idées vont shifter différemment. Tu verras les choses différemment par rapport au business. Et tu verras que je n'avais même pas besoin des gens là. Qu'est-ce qui m'a même fait croire que j'avais besoin d'eux? Et aussi d'autres personnes ici, là, vous devez accepter l'amour. Tu as eu des déceptions amoureuses, tu ne veux pas qu'on t'aime. Certaines personnes, vous allez trouver l'amour, vous allez rencontrer, vous allez faire une rencontre amoureuse. Merci beaucoup pour les vœux. Certains ici, vous avez les dons de voyance. Ces dons vont s'accentuer. Et vous avez une connexion très, très approfondie avec les astres. Heureusement, vous êtes victime de beaucoup de jalousie.
Maintenant, il y en a ici, vous étiez, avant vous étiez, tu arrives à planifier des choses, ça marchait. Maintenant, tu as traversé une période peut-être de 5 ans, je vois 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, on se moquait beaucoup de toi dans ta famille. Les gens disaient, ah, elle n'a rien, voilà, regarde. Maintenant, ton intelligence est en train de revenir. Ton intelligence est en train de revenir. Donc, je vois des personnes ici là que tu es une sorte de fin stratège. Les gens te payent même pour que tu leur donnes les... pour que tu les conseilles. Les consultations sont disponibles, mais il faut me suivre depuis un certain temps, 2-3 semaines, et se laver au sel. Les lectures, je fais 3 cartes personnelles à 10 000 et 10 cartes à 20 000. Il y a les lavages, il y a les kits, et on vend les produits pour les déblocages. Donc, toi, tu es quelqu'un que tu étais très stratège avant. Et tu as traversé beaucoup de souffrances pendant laquelle tu n'avais même pas l'argent. Et là maintenant, c'est en train de revenir. Tu auras beaucoup de vision. Tu auras beaucoup de... même des rêves prémonitoires. Mais lecture, ce n'est pas pour tout le monde. Et ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ok? Il y a aussi quelqu'un ici, tu vas recevoir l'aide d'une personne. Écris ici, je reçois mon aide de destinée. Je reçois mon aide de destinée. En regardant cette pierre, ça vous guérisse. Ça vous guérisse. Recevez votre guérison. Voilà. Il y a quelqu'un ici, tu hésites depuis. Ce message, c'est ton signe que tu dois changer de direction. Change de voix. Change de voix. Tu voulais partir dans un pays. Et depuis, tu penses à l'autre pays, mais tu t'es dit, personne ne va. Tu vas changer de plan. Tu vas changer de plan. Ou bien encore, il y avait des gens qui t'ont conseillé de faire comme ça. Mais ton intuition te dit de partir de l'autre côté. Tu vas commencer à le faire. Voilà. Donc, je vais aller faire les consultations personnelles. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a aussi quelqu'un ici, tu es un agent de lumière, un soldat de lumière. Ça, c'est la dernière carte. Tu es un soldat de lumière. Et tes pouvoirs vont se matérialiser. En même temps aussi, tu vas écouter, donc, clairaudient, tes oreilles vont beaucoup... peut-être tes oreilles bourdonnaient ces derniers jours où ça démangeait beaucoup. Donc, tes oreilles vont s'ouvrir. Je vois aussi quelqu'un ici, tu vas découvrir tes dons. Je n'arrête pas le direct. Il faut qu'on me parle. All right, j'ai compris. Vous êtes en train de sortir des trous familiaux. On avait mis les gens de ta famille dans un trou. Et toi,
Attendez. Dans les prochains jours, tu vas découvrir tes dons. Monsieur le bafle, pourquoi tu déranges? Attendez, j'ai des choses à vous dire encore. Vous avez une connexion. Je vois quelqu'un ici, là, tu es un chaman. Tu t'intéresses toujours à la spiritualité. Mais on s'est moqué de toi dans ta famille. Je ne suis pas en Belgique, je suis en Côte d'Ivoire. Mon numéro est dans la bio. Là, je ne vais pas utiliser les cartes. J'ai des messages, c'est en train de venir. Mon numéro est dans la bio. Regardez sur ma page, vous allez voir le numéro. On t'a toujours traité comme la personne qui est une personne bizarre. Et tu as toujours aimé les trucs spirituels. Maintenant, on a utilisé ça contre toi. Et depuis quelques jours, tu ressens... Parfois, tu restes comme ça, tu commences à faire quelque chose sans même savoir comment tu en es arrivé là. La puissance qui était dormante en toi a atteint un autre degré d'activation. Je parle des maîtres qui sont en train de se réveiller. Tu ne savais pas que c'était toi. Hein? Tu ne savais pas. Avant, tu disais que ah, c'est seulement moi, non. C'est moi la petite Grâce. C'est moi la petite Manuela, non. Mais depuis quelques jours, tu sens, tu n'as plus, voilà, tu vas aussi commencer à ne plus avoir peur des gens. Tu vas parler avec une puissance. Tu vas parler avec une puissance. Tu vas rester comme ça là, tu vas. Comme Jésus restait, il disait que allons dans telle ville. Tu vas dire aux gens, à ta famille, que je vais avoir le visa pour le Canada. Je vais avoir mon double au Canada. 6 mois plus tard, tu es parti au Canada. Alors que quand tu parlais, on ne te croyait pas. Je sens aussi la discipline. Tu vas avoir l'envie de beaucoup te discipliner. Et je vois quelqu'un ici, tu vas devenir très strict. Carrément presque méchant. On va dire que tu exagères, tu te prends pour qui? L'énergie qui était en toi s'est accumulée. Et il y a aussi quelqu'un que tu avais beaucoup d'attache d'âme avec les gens. Donc je sens comment tu quittes d'un corps que tu habitais, qui te contrôlait avant. Et maintenant c'est ton esprit qui prend le dessus. Et quand tu vas parler, quand l'esprit te dit de parler à quelqu'un, tu parles, tu n'as pas peur de la personne. Hein? Tu vois quelqu'un qui fume ou bien qui tu dis arrête, arrête ça. Pourquoi tu cherches les femmes? Donc tu parles, tu vois comment tu parles avec autorité. Et je sens quelqu'un ici là que les mauvais esprits connaissent ton nom, ils te connaissent. Ils ont peur de toi. Et depuis quelques jours aussi, tu as beaucoup de fatigue, tu dors énormément. Énormément. Ils sont en train de te faire t'adapter à ton nouveau corps. On me dit de te dire que tu as un nouveau corps. Tu as shifté, tu n'es plus dans la même dimension d'avant. Et l'argent... Je vous le dis, je ne vous le demande pas. Tu vas commencer à commander l'argent.
Tu restes quelqu'un de dedans, tu dis oui, non, donne-moi 1 000 euros. Il dit ok, j'ai viré. Tu es en train de prendre une assurance spirituelle. Il y a des rêves que tu as faits sur toi quand tu avais 7 ans. Des rêves que tu as faits quand tu avais 15 ou 23 ans. Tu te voyais en train de faire des choses, de guérir les gens. Tu as expliqué aux gens que tu prenais pour une folle. Toute l'énergie qu'on avait fermée là, c'est en train de revenir. Les gens la croyaient avoir fermé ton troisième œil. Ils n'ont pas fermé. C'est même multiplié. La Bible dit, Jésus grandissait en stature. Il grandissait en stature, en sagesse et en puissance. Il y a une force en toi, comme dans le rêve. C'est un peu comme si tu veux crier. Ah! Tu sens que les gens qui te dominaient avant là, ne peuvent plus te dominer. Et vos mains parfois picotent beaucoup. Tu as l'impression que si tu vois quelqu'un qui est malade, tu touches comme ça, là, il va guérir. Ils ont fait semblant de bloquer. On ne peut pas te bloquer. Tu es en train de te découvrir. La spiritualité va beaucoup t'attirer ces prochains jours. Tu vas passer des jours à écouter les livres Joseph Murphy. Tu vas écouter. On me dit de te dire que tu es en train de te rappeler de qui tu es. Et chaque fois que tu écoutes, ça brise. Je vois quelqu'un qui écoute, ça brise une cage sur lui. Il écoute, ça brise. Il écoute, ça brise. Il écoute, ça brise. Et à un moment, il fait ah! Même le message que je vous donne là, c'est en train de vous débloquer. Vous avez senti que votre corps picote, vos bras ou vos pieds, ou bien ici. Tu étais trop grande pour ton environnement. Tu étais trop grande pour ton environnement. Maintenant, il te laisse partir. Je vois quand tu arrives, on te fait comme ça, on te fait allégeance, on se penche. Tu es comme un maître qui est en train de reprendre ses pouvoirs. Un maître spirituel qui vient d'entrer dans son royaume. Merci. Tu dis que les gens viennent à toi et tu leur enseignes ce que tu as appris de moi. Je vous ai dit que moi, je suis là pour activer seulement les choisis. Je suis appelé aux appelés. Si quelqu'un n'est pas appelé, quand il veut parler là, tu es en train de donc, tes pouvoirs sont en train de revenir. Un peu comme quand Thor appelle son marteau. Il fait la même comme ça là, partout le manteau là, et ça quitte, ça vient. Je ne suis pas là pour aider les gens, j'enseigne. Je ne suis pas là pour la charité. J'enseigne. Certains de mes enseignements sont payants, d'autres ne sont pas. Là, je suis en train de vous enseigner, je ne vous demande pas d'argent. Vous êtes en train de recevoir vos pouvoirs. J'ai mis une règle sur la chaise hier et elle me disait,
Elle allait dans un village. Et là-bas, les gens sortaient de partout pour venir la saluer. Mais tu es une reine. Tu es une reine. Vos dons sont en train de s'activer. Dans ta famille, tu avais peur de dire. Quand ma part commençait, parce que ma famille me simplifiait trop avant. Ma famille me simplifiait beaucoup. Moi, vous dis-moi. J'étais partie en Bengue. J'ai fait 13 ans et je suis revenue de Bengue. Je n'avais même pas 5 francs. J'avais 50 relations. 43 fiançailles. 50 mariages échoués. On savait déjà que ah, elle l'a. Vous voyez, non. Voilà, même voilà encore une autre qui dit que tous ceux qui m'écrivent, vous m'appelez aujourd'hui, m'appellent seulement ma reine. Voilà. On a, donc, à votre naissance, il y a des gens qui ont travaillé pour bloquer ça sur vous. Et vous avez commencé un travail depuis longtemps. Je vous dis toujours, n'oubliez pas le travail qu'on a commencé depuis longtemps. Donc maintenant là, tu es en train de. Vous m'envoyez souvent vos photos, je vois, non? Vous m'envoyez vos photos, je vois. Je rappelle que si quelqu'un ne me suit pas depuis deux mois, trois mois, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Hein? Ok? Tu ne peux plus t'empêcher de porter les chapeaux spirituels. Tu ne t'habilles que spirituellement maintenant. Les gorilles. Tu ne peux pas faire autrement. Vous êtes en pleine restauration. Restauration de puissance. Restauration d'idées. Restauration d'appel. Vos pouvoirs sont en train d'être restaurés. Et ton, je vois vraiment ton. Voilà. Il y a des combats qu'on ne pouvait pas te donner avant. Parce que tu n'étais pas assez forte. Écrivez. Mes secrétaires vont vous répondre. C'est les secrétaires qui répondent. Mon numéro est dans la bio. Je n'envoie pas l'invitation aux gens. Je n'écris pas. Ce sont les imposteurs qui vont vous écrire. Si vous voulez leur parler et ils vous arnaquent, allez vous faire arnaquer. Je ne chasse, je ne poursuis pas les gens. I don't chase, I attract. J'attire les gens, je ne poursuis pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des sujets d'admiration depuis la naissance. Les gens ont vu ça, ils étaient jaloux. Il y a même quelqu'un ici là que ta relation, tu es sorti avec un ou deux hommes qui t'ont jalousé intensément. Je te dis de ne pas te déranger. Ne te dérange pas.
Écris ici, tout va bien. Les gens ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'en essayant de te couvrir, ils t'ont juste donné l'espace pour que tu te réchauffes bien, que tu te prépares bien, que tu t'entraînes bien pour venir exposer tes dons. Je vends les kits, kits de désenvoûtement, kits de fondation pour enlever les malédictions générationnelles, tout ça. Tout va bien, ne te dérange pas. Je n'aime pas le mot aide-moi. Arrêtez. Je vous bloque. Un choisi n'est pas désespéré. Tu dis, je reçois mon aide angélique. Je reçois. Vous n'êtes pas tombé sur moi par hasard. Je reçois les aides, les personnes qui vont me guider, les personnes qui vont me conseiller. Qu'est-ce qui a trouvé les mendiants? Aide-moi. Je suis bloqué. Qu'il en soit ainsi, soit bloqué. Qu'il en soit ainsi, soit bloqué. Ta déclaration, tu l'auras. Bonjour madame, si vous n'avez pas encore fait un de mes kits, même si c'est le lavage que vous avez fait à distance, je ne vous consulterai pas physiquement. Toutes mes consultations se font à distance. Je suis à Abidjan, mais je ne consulte pas physiquement. Vous passez au magasin, vous prenez votre produit et vous restez au magasin, je vous parle, je vous consulte au téléphone. Voilà. En 2016, on était où, papa? Où c'est maman? Quoi? En 2016, on était où? C'était sur les réseaux sociaux, mais on s'est rencontrés physiquement. Le magasin d'Abidjan se trouve en face du supermarché Marie-Anicette. J'ai vu que ta fille est malade. Je fais quoi? Je fais quoi? Parce que vous aimez toujours tout gratuit, premièrement. Et j'ai arrêté de faire le gratuit parce que quand on vous donne le gratuit, vous ne connaissez pas valoriser. Et hier j'ai fait la promotion des lavages des enfants. Hier, vous n'avez pas fait non. En passant, ce n'est plus valable, moi je dis seulement. Donc le magasin est en face de l'école primaire Les Petites Abeilles à Bellecôte. Pas loin du supermarché Bellecôte. Tu traverses le supermarché Bellecôte, tu prends la prochaine à droite. Tu vas voir l'école. Retenez seulement Les Petites Abeilles. Si vous voulez me parler, je vous en prie, lavez-vous au sel. Colette, on s'était rencontré où? Physiquement. Colette, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Colette. Tu as suivi. En 2016, j'étais en Angleterre. Donc si c'est 2016, ce n'est pas moi. Je lui ressemble seulement. Et je ne prends pas le crédit pour les choses que je n'ai pas faites. Le numéro d'Abidjan, c'est le 0779 0252
05. Le numéro de à Ouagadougou là-bas, on a une personne qui a les produits. On vous donne son numéro. Burkina 66 16 84 84. Cameroun 237 6 93 50 22 66. Le numéro MOVE plus 225 01 50 27 71 71. Vous avez les numéros maintenant. Non? Pour Togo, vous devez faire avec le MOVE. Si vous voulez m'envoyer de l'argent, c'est avec MOVE. Le numéro de la France. Le numéro de la France est le suivant. 06 19 70 60 09. Le 07 79 pour Abidjan. Voilà le numéro orange. 07 79 02 52 05. Voilà les numéros pour avoir les produits. Au Gabon, 074 18 0080. 074 18 0080. Kinshasa, vous appelez au Cameroun, on va vous donner les détails. 237 6 93 50 22 66. Le chemin pour monter n'était pas comme tu pensais. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que voilà, je reste ici 2 ans, après je monte là-bas 2 ans, après je monte là-bas 2 ans. Non. Ils te mettent une nuit noire de l'âme tous les 2 semaines. Tu tapes des dépressions intenses tous les 2 semaines. Ils t'isolent. Tu restes seul. Et quand tu sors d'une nuit noire de l'âme, tu vois vraiment que ta puissance augmente. Tu sors d'une nuit, tu vois vraiment ta puissance augmente. Dès que tu passes, les démons fuient. Tu n'es pas folle. On t'appelle souvent pasteur dans ta famille, non? Que pasteur. Tu n'es pas folle. Tu es très connecté au monde spirituel plus que le monde physique. Tes yeux sont en train de s'ouvrir et tu es en train de combattre, tes anges sont en train de combattre certains démons, les derniers jours-ci. Certains démons-là, donc tu as de nouvelles attaques qui sont en train d'arriver là. Mais tu combats dans la solitude et le silence. Avant, tu faisais... Maintenant, tu es calme. On te voit, ça va? Ouais, pourquoi tu es pâle? Aucun mot.
qu'ils sont en train de combattre. Je viens vous fortifier. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Il y a beaucoup de rois de l'eau ici. Vous devez faire la fourche là avec trois dents, votre trident. Bonsoir, Miss Tal. Vous devez faire fabriquer un trident pour vous. Ce sont vos armes que vous récupérez. On avait comploté pour te prendre ton terrain, te prendre ce qui t'appartient. Mais là, tu es en train de... Il y a un retournement de situation qui arrive. Tu n'as même rien fait. Écrivez ici, ha ha ha. Le numéro 237 693 50 22 66. Tous mes numéros sont sur ma page. Je ne vous écrirai jamais. C'est vous qui allez me contacter quand vous voulez. Donc les scammers qui prennent ma photo et mettent sur leur profil, ils vous écrivent là. Ce n'est pas moi. Donc si vous voulez aller donner votre argent chez eux, allez-y. Ça me dérange parce que votre argent, de toute façon. Mais ne venez pas vous plaindre, c'est là qu'on vous a scammé. Ta souffrance était nécessaire. On me dit que c'était nécessaire. Merci, Miss Tal, merci pour l'amour. C'était nécessaire. Ah ouais, ils t'ont toujours dit que tu es fou. Pourtant, l'abondance de la famille passe par toi. Ouais. C'est les résultats qui parlent. Je vous ai dit de rire. Ils ont seulement honte de venir dire que ouais, tu avais raison. Ils ont honte de venir dire que tu avais raison. Hein? Ramon, tu peux monter pour dire quoi? Toi qu'on cherche aujourd'hui. En fait, ils ont même honte de te demander l'argent. Ils venaient t'attaquer avant. Parfois, dans le groupe familial, ils t'attaquaient. Maintenant, c'est l'inverse. Je vois quelqu'un ici là que tu avais une tante que la nuit, elle ne te laissait pas. Il y en a ici là que les gens qui ont tué vos parents sont derrière vous. Vous êtes en train d'avoir votre liberté.
Tu traverses une période difficile, tu veux monter sur mon direct. Ramon, je vais te bloquer. Tu me suis, je vais te bloquer, ne blague pas. Tu viens ici là pour te plaindre. J'appelle le matériel dont vous avez besoin. L'investissement dont vous avez besoin. Le financement, la promotion. Déclare que vous avez atteint la maturité spirituelle. Je vous fais asseoir à la table des grands. Recevez au... Ça, c'est le message de quelqu'un. Allô, choisis. Donc vos plaintes, votre, je n'en ai absolument rien à cirer, ok? Absolument, royalement rien à faire. Voilà. Vous avez atteint la maturité. Attends, je te bloque. Aide-moi. Vous avez atteint la maturité. Vos yeux sont en train de s'ouvrir. Vous ne commencez plus quelque chose, vous abandonnez en route. Vous êtes très concentré. Tu commences, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Chaque jour, tu es là. Tu t'attelles à faire. Tu jeûnes. En passant, jeûne aujourd'hui. On va prier à 18h. On va faire la prière de 6h. Israël, tu as gagné un blocage, promotion au travail. Voilà. Je mets en vous l'assurance. Vous ne vous simplifiez plus. On ne vous simplifie plus. Allô? Oui. Oui. Tu m'entends? Oui. Oh. Je ne sais pas mon direct, c'est quoi? WhatsApp bug aussi chez vous. C'est seulement chez moi que ça bug. Il m'a dit que WhatsApp bug beaucoup. S'il vous plaît, envoyez-moi le numéro de la dame C11. Elle est en train d'appeler sur le numéro de la Côte d'Ivoire. Envoyez son numéro sur ce compte-ci là. Ce que vous avez vu ne peut se manifester que quand vous allez
croire. Tu dois voir, croire, et ça vient. Tu vois, tu crois, et tu vois, tu vois, tu crois, et quoi? Tu vois, tu crois. Donc vous avez déjà vu, ils vous ont montré. J'active votre foi maintenant pour que vous commenciez à croire. Amen. Je déclare que dans cette période-ci, vous allez passer le Noël le plus... En fait, c'est ce qu'on me dit, je te dis. Tu passeras le plus beau Noël de ta vie. Parce que tu vas pouvoir... Ce que tu vas visualiser maintenant, tu vas manifester en décembre. Choisissez le pays où vous voulez partir fêter. Allez-y. Choisissez. Choisissez. Voilà. Voilà. On a dit que tu es dans la secte. Maintenant, ils sont en train de demander les conseils chez toi. En fait, ils vous admirent en secret. Ils vous admirent en secret. Ils ne peuvent pas vous dire. Il vous admire en secret. Je brise le voile qui fait que toi-même, tu ne vois pas ce que les gens voient en toi. Je déclare que tu prends et tu saisis tout ce qui te revient. Je déclare que tu vas vivre la spiritualité de luxe. À travers toi, on saura que la spiritualité marche. Pas la secte, pas les complications. Tu ne donnes personne. Ça marche. Recevez. Recevez. Que la lumière du Saint-Esprit soit sur vous. Que la grâce divine vous accompagne. Que le Seigneur Jésus, le Père de l'amour, le libérateur des peuples, celui qui donne la paix, celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer, celui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir, qu'il soit derrière vous, partout où on a utilisé votre photo pour vous faire du mal, on a prononcé votre nom pour vous faire du mal. Que Jésus se pointe, que ce soit lui qui apparaît dans leur l'eau qu'ils ont mis pour te faire du mal, qu'ils voient Jésus apparaître. Je foudroie toutes les attaques qui sont envoyées dans ta direction. Toute personne envoyée dans ta direction pour te faire du mal vient s'agenouiller devant toi, il avoue. Amen, amen et amen. Je vous purifie de tout mal, toute tâche. Vous avez reçu sur vous. Je mets la force dans vos paroles, la puissance dans votre bouche, que votre langue d'une parole vous terrasse le travail de l'ennemi dans votre vie. J'annule les verdicts maléfiques qui ont été prononcés contre vous. Selon Ésaïe 54, verset 15 et verset 17, je condamne les langues qui se sont levées pour te faire du mal.
Toute langue qui s'est levée pour te faire du mal, je condamne au nom de Jésus. J'annule les verdicts qui ont été donnés contre toi. La faveur, la promotion. Promotion sur toi au nom de Jésus. Concentration divine au nom de Jésus. I prosper you. Je te prospère. Tout ce que tu vas toucher porte ton onction, onction de guérison, de prospérité. Je bénis vos offrandes. Envoyez les offrandes. Je les bénis, je les bénis. Je bénis vos offrandes. Je vous ai dit que le mois de novembre, c'est chaque jour vous allez seulement s'aimer. Chaque jour, oh, j'ai s'aimer, s'aimer, s'aimer. Quand tu vas commencer à récolter, je ne serai pas avec toi. Je bénis vos offrandes. 6, 93, 50, 22, 66. 6, 93, 50, 22, 66. 6, 93, 50, 22, 66. J'appelle à vous les gros investisseurs. Le gros agent vous localise. Les gros investisseurs arrivent. Les gros clients arrivent. Que tu soignes tes comptes dans 100 millions. C'est possible, Dieu peut le faire. Je suis vos larmes. Je déclare que vous vivez de vos dons sans avoir honte. Comme tu guéris les gens là, que tu guéris, on te paye bien. Tu achètes ta voiture aussi. Oui. Les gens qui guérissent là, il faut prendre des produits pour... Je vois quelqu'un ici là que tu guéris, mais tu laisses les mauvais esprits des gens que tu guéris chez toi. Donc, commande le sort de moi. Ça s'appelle sort de moi. Demande ça chez moi. Sort de moi et tu demandes la poudre jaune. Les deux produits-là, ça aide beaucoup les gens qui soignent. Les numéros. Côte d'Ivoire, Gabon. Je donne les numéros. Côte d'Ivoire, 0779-0252-05. Donc 0779-0252-05. Le numéro Move. Ça, c'est Orange Money et Wave. Le numéro Move maintenant... 01 50 27 71 71. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le numéro MTN du Cameroun. 6 80 71 07 01. 6 80 71 07 01. Pour les personnes qui veulent envoyer par la Belgique, j'ai un IBAN là-bas. IBAN de la Belgique. BE 88 55 88 06 37 55 30 08 41. Donc BE 88 06 37 55 30 06 41 08 pardon 08 41 BE 88 06 37 55 30 08 41. Ça, c'est pour envoyer en Belgique ou bien en partie de la France. Le numéro de la France, je vous ai déjà donné. Gabon 074 18 00 80. 074 18 00 80. Airtel Money. Je bénis vos offrandes. Je bénis vos offrandes. Ça, c'est l'offrande de la restauration de tes pouvoirs. La restauration de tes pouvoirs. Restauration de tes pouvoirs. Tout colis que tu attends, tout argent que tu attends, reçois. Toute activité que tu as commencé, ça dormait. Aujourd'hui, tu vas faire 10 fois le chiffre d'affaires normal que tu fais souvent. Amen. Je bénis vos dîmes au nom de Jésus. Je bénis vos dîmes. Amen. 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 Les enfants de Jésus, ils disent Amen. Mettez une bonne musique, vous dansez. Vous avez suivi, non?
Tchik, 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 tchik. Bon.